Marie à tout prix. Voilà, Marie à tout prix, c'est un film qui me parle bien parce que ça mélange romantique et un petit peu par moment tout petit peu trash. Il y a cette fameuse scène du gel dans les cheveux qui est juste magique. Marie à tout prix, pas mal. Ah ouais, non mais je vais te citer des références qui n'ont rien à voir. Je vais te citer des Harvey Keitel dans Bad Lieutenant, des mecs que je serai jamais, des mecs physiques. Des Tony Montana, des mecs comme ça quoi, mais des Al Pacino, mais des mecs, je suis pas quoi, des mecs très loin de moi. Je serais déjà une actrice, une grosse nympho. Non, pas du tout. Qui je pourrais être en actrice? J'ai pas pensé. Moi j'aime bien Mila Kunis. Ah, Mila Kunis, ouais. Mila Kunis, elle est très drôle. Parce qu'elle a ce côté très jolie poupée et en même temps elle est dans des comédies un peu qui dérivent un peu, qui trash, et puis elle dit des mots parfois qu'on ne voit pas dans la bouche de toutes les actrices. Notamment dans Ted, je la trouve très drôle. Mila Kunis, c'est une bonne idée, très bonne idée. J'aurais été dans la merde. Je pense que c'est des métiers qu'on fait pas par choix. Tiens, je ferais bien artiste. Je pense que c'est souvent ça chez les artistes, c'est ça ou mourir quoi. Mais vraiment, c'est, il faut que ça soit très fort chez toi. C'est-à-dire que moi, je peux pas faire autre chose. Si tout d'un coup, je bossais dans les assurances et tout, je pense qu'au bout de 3 semaines, je claquerais la porte, je deviendrais fou. Parce qu'on est des gens un peu instables. Et ça nous fait peur. C'est dans Les Bronzés. C'est Popeye qui arrive, qui dit... Je sais pas quel âge elle a, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle aime la bite. Ce sur quoi, à la table, il y a un vieux, une vieille, et la fille, justement, qui arrive et qui fait « Ah, bonjour papa, bonjour maman !» Et rac, voilà. Pour moi, c'est la meilleure réplique du monde. Ah, le baiser dans Spider-Man où il est à l'envers et qu'elle l'embrasse comme ça, son Spider-Man, sans lui enlever complètement son masque. Je trouve ça super érotique. On le voit même pas en entier, c'est un beau baiser sous la pluie comme ça. Ouais. De toute façon, il y en a tellement, j'aime tellement les films de baston, j'aime bien Chuck Norris en baston, j'aime bien Steven Seagal en baston. Putain, Steven Seagal dans quand il fait le chef dans Piège en haute mer, je pense que là il y a des bonnes scènes de baston, ça bastonne bien. Schwarzenegger en baston, j'aime bien, Total Recall, dans Total Recall il fait de bonnes scènes de baston. Attends, je vais te trouver les meilleures scènes de baston qui rendent fou. Liam Neeson dans Tekken. Putain, j'en ai trop. Je sais pas laquelle choisir. Je serais le festival de Cannes. Parce qu'il est comme ça un petit peu... Il y a de l'excès, il y a des fêtes, il y a du champagne, il y a de la vulgarité, il y a des Américains, il y a des films d'auteur tout d'un coup. T'as des bimbos à côté de ça, t'as le mec le plus intelligent du cinéma. J'aime bien ce mélange. Un peu comme ça, crado. Un peu on s'en fout, c'est la fête, c'est le champagne. Ah bah rien en fait, parce que Suzanne Boyle c'était vraiment un gros prétexte à chanson con. Non, rien, la pauvre, je sais que... rien, vraiment je saurais pas quoi lui dire. Bonjour Suzanne, how are you? Un mensonge, je serais le mensonge de tous ces acteurs qui ont envie de tourner, parce que moi j'ai vécu ça quand t'es pas connu, t'es un petit comédien, tu commences à... Et on dit ouais, pour ce rôle on a besoin de quelqu'un qui sache faire de la moto. Et tu dis mais bien sûr je sais faire de la moto. Et tu te retrouves le jour du tournage, tu sais pas faire de la moto, tu veux tellement avoir tes petits cachets et commencer à travailler. Pour ce rôle là il faut faire du cheval, moi j'ai dû dire que je savais faire du cheval au moins 10 fois. Jusqu'où j'ai poussé le mensonge. Ouais, je pense que c'était pour un film, on m'avait dit faut savoir jouer en anglais, j'avais dit mais je suis couramment anglais, j'ai été élevé aux États-Unis, c'était pas vrai, j'aurais été dans la merde. Mais quand t'as vraiment envie de travailler, tu me manques. Megan Fox, c'est très sexy. Hein. Ouais, vraiment, j'essaierai de faire des choses avec elle. Après, je pense qu'elle voudrait pas. Donc j'essaierai de la convaincre et je prierai le ciel pour que l'ascenseur reste coincé le plus longtemps possible.